On ne peut pas non plus demander que les caricatures ne blessent pas du tout, ne dérangent pas du tout, ne choquent pas du tout. Ça ne marche pas autrement. Il faut... La caricature, on dit, c'est du dessin marrant. C'est pas si souvent que ça, du dessin qui fait rire. Le dessin d'humour fait rire en général, mais la caricature, au sens de caricature de personne, caricature d'idées, de valeurs, c'est appartient à l'art de la télévision, mais elle fait rire souvent jaune, elle fait rire intérieurement. C'est rare qu'on se tape les fesses par terre en regardant une caricature politique, ça arrive, mais et une caricature dans le domaine du spirituel, ça arrive encore moins. Caricature, si j'ai bien compris, c'est un mot italien. Caricature, c'est un mot qui veut dire charge, charger le baudet. Comme on disait la charge en parlant de théâtre de Tréteau qui donne dans l'exagération. La caricature, c'est en matière de dessin, c'est un dessin ressemblant à exagérer. C'est une ressemblance exagérée. Et l'art de la caricature, c'est de faire en sorte que, de réussir, que une plus grande exagération ne diminue pas la ressemblance. Donc c'est intéressant à faire. Et à recevoir. Mais ça ne... C'est pas forcément marrant au premier sens. La caricature et l'humour en général ne sont réels que entre les mains de gens qui d'abord se prennent pas au sérieux. Alors on dit que ceux de Charlie Hebdo n'étaient pas méchants. Je sais pas si on peut généraliser comme ça. C'est vite dit, hein. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est s'ils étaient capables de rire d'eux-mêmes. Quand on est méchant, quand on rit des autres et qu'on n'est pas capable de rire de soi. En dessin, c'est ça la méchanceté. En vanne, en humour, en satire écrite, c'est ça la méchanceté. Quand on est capable de rire des autres et pas de soi-même. C'est possible d'éviter de faire une vanne qui blesse trop, parce que la circulation du sang un peu activée, ça fait pas de mal quand même. Ça peut faire mal sans faire de mal. On peut y arriver quand... La totalité des personnes atteintes sont dans la salle. On peut y arriver. Et quand on livre sa parole au public, par voie de presse, dans un roman, et qu'on ne sait pas où ça atterrit, il y a toujours au passage quelqu'un de blessé, c'est sûr. Mais la question est d'autant plus difficile. La question se pose quand même. Il y a des questions sans réponse absolue. Qui continue quand même à se poser. Le seul combat qu'on puisse mener dans cet ordre-là, c'est effectivement de ne pas être méchant. C'est un travail sur ses propres intentions. Déjà, d'être pur sur ce terrain-là et de chercher à ne pas sortir de l'exercice suivant. Pas craindre de faire mal quand on est convaincu qu'au bout, on peut contribuer à aider son semblable, pour ne pas dire son prochain, à faire un pas dont on a besoin comme moi j'en ai eu besoin.